Voilà, fais pas le fou avec moi, je vais te goumer, sale fou. Et il y a un mec qui lui répond en allemand, très bien. Nique ta mère. Ok, non, c'est ok, d'accord, ça allait très vite. On a fait un petit fake LV2 allemand. Yes, no, maybe. Jungler, ah bah. Aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer qu'on est partenaire officiel avec Instant Gaming. Comme vous le savez déjà tous, Instant Gaming, c'est un site qui va vous permettre d'acheter vos jeux beaucoup moins cher. Mais vraiment beaucoup moins cher. On est sur du 28% sur par exemple Cyberpunk. Vous pouvez déjà le précommander. Et Animal Crossing aussi, on est sur du 20%. Là, vous voyez les prix en canadien parce que je suis au Canada. Mais évidemment, vous aurez le prix en euros chez vous. Donc, merci à eux qui vont pouvoir financer tous les RP que je vais vous donner. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour tout simplement acheter vos jeux beaucoup moins chers qu'ailleurs. Aujourd'hui, je vais essayer de deviner votre Elo. Alors, j'ai fait une annonce sur le Discord. Vous pouvez rejoindre le Discord dans la description, n'oubliez pas. C'est gratuit pour tout le monde, évidemment. J'ai demandé donc à tout le monde, bah à tout le monde, j'ai demandé aux gens en fait, s'ils voulaient, me donner leur pseudo pour qu'ils participent à cette vidéo. En gros, vous me donnez votre pseudo. Je ne vous connais pas pour la plupart, si je vous connais déjà, je ne vais pas vous prendre. Et je vais regarder genre 2 minutes de votre game, pas plus, sinon ça sera peut-être un petit peu trop facile, pour voir quel Elo vous êtes, pour deviner quel Elo vous êtes. Et en début de saison, c'est juste méga dur. Et si je me foire, je donnerai un skin mystère à ceux où je me trompe. Donc là, on est sur le Discord. Il y a le salon Gaze My Elo. On va aller au tout début. Donc lui, je le connais. Lui, par contre, je le connais pas. Du coup, on va pouvoir y aller tout de suite. Comment on va procéder? Je vais aller dans Profil. Donc là, je suis sur mon compte EUS, évidemment, le compte où je ne joue pas. Je vais taper son pseudo et je vais taper Entrée. Mais juste avant, tu vois, je vais faire comme ça. Du coup, on va voir juste son level. On voit juste qu'il joue Wukong. Il est niveau 180 et je vais dans Match History. Vous voyez exactement mon écran, je ne triche pas. Donc là, on remonte. Et il faut évidemment des games en solo queue. Je prends évidemment des ranked solo queue. Donc là, on prend la première, on ne triche pas. On va pas prendre des games où... Bon, on aurait pu prendre son 27-5. Ça aurait été giga beau, mais je prends la première, comme ça, il n'y a pas de... Oh, le bâtard, il prend quand il est en 0-18. Je prendrai tout le temps la première qui est disponible, ok? Position en bas à gauche, ouais, je vais rester en bas à gauche, c'est pas grave. Oh, y a Faker. Mec, y'a Faker. Bah, Challenger, du coup. Bah, mec, s'il y a Faker, genre, c'est du tchal. Et on se laisse jusqu'aux 3 minutes, parce que de toute façon, la première minute, y a personne qui joue. Mais ça me laisse le temps de voir un petit peu les drafts et tout. Alors, on a Predator, Amumu avec Smite. Pourquoi pas? Ça, c'est bon, ça, c'est ok. Ça, c'est agressif, c'est ok. Au niveau des... Ça, c'est bon. Il y a juste E2 qui me... C'est bizarre. C'est bizarre parce que, justement, Nico... Elle s'avance bien plus qu'un Ezreal pour l'Ignite. Pourquoi pas? Attends, c'est un Brand Mid? Brand Mid avec Heal? Ah, pour sortir un Brand Heal Mid... Conqueror? Nani? Ok, j'ai besoin de voir du gameplay là. Ça bouge bien sur la carte, bizarrement. C'est pas du bronze du coup. Le brand, je comprends pas. Lui, Yasuo était AFK. J'ai besoin de voir la botlane. Hein. On regarde la transi level 2 et on se barre. Ça passe pas. Ça passe pas, tu l'auras pas. Oh non! Ah là 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 là, pas de chance hein. Le Kha'Zix qui s'est bien retourné pour perdre l'aggro de la tour et pour plus être à portée. Et le Q. Aïe. Ah, Mimi qui dit good job. Non mais c'est quel Elo ça? Ça c'est pas du plat hein. Plat, il aurait insulté ta mère. Non, on est dans du silver. Donc là il passe level 2 avec ce mignon là. Ouais, elle aurait dû s'avancer. Là si elle s'avançait, elle aurait pu flash heal. Bah ignite du coup. Bah non, bah du coup elle a pas ignite. Je pense, ouais, silver 3 ça me paraît bien. Silver 3 ça me paraît plutôt bien. Bronze, non, ça... Non, les mécaniques, c'était ok, tu vois. Mais le choix de build, il y en a 2-3, c'était trop bizarre. Gold, ça aurait été peut-être un peu plus vénère, je pense. Ouais, on est sur du silver. Mais non. Parce que les runes de Brand, c'était bronze. Mais leur mécanique était ok tiers. Oh, merde.
Oh merde, je lui dois déjà un skin. Oh, j'ai le seum. Ok, next. Ok, Gasgol, 190, Shogat. Allez, dis-moi que tu joues en Ranked. Oh putain, une seule. Une seule de disponible. Est-ce que c'est la game qui te fera gagner un skin Monster? Alors, oula. Quoi? Putain, je comprends que dalle déjà la draft. What the fuck? C'est quoi cette draft? Je suis pas habitué. Wow! Fiddlestick mid? Ezreal mid? Talia support? Non, attendez. C'est une blague ou? Merde. Talia, tu vas vraiment prendre un item support? Putain, c'est Talia support? Ah ouais, en Europe Ouest, vous êtes chelou, hein. Attends, t'as perdu avec Shaco contre une Talia support, Senna ADC téléportation? Comment vous avez perdu la game? J'ai trop envie de voir la game, pourquoi, genre? Alors, attendez, niveau rune. Aftershock, ça c'est bon. Presse d'attaque, c'est bon. Comet sur Fiddlestick, pourquoi pas. Ouais, moi qui ai une Giga Invade et un mec AFK. Dark Harvest Shaco, ok. Il joue pas avec Flash, il joue avec Ignin. Conqueror top. Dissine Electrocute, Conqueror Ezreal, ouais. Pourquoi pas. Oh, il a un point de vie. Il a pré-shot le Flash au cas où, pourquoi pas. Oh, le corbeau il va faire mal là. Attends, vous avez perdu en gagnant en plus l'invade? Non, vous avez gagné. Attends, je me souviens plus s'il avait gagné ou perdu. Ah, c'est parce que la Vayne a tilt et elle a rage quit là. Comment vous avez perdu la game? En combien de temps vous avez perdu la game? 37 minutes la game en plus. Oh, incroyable. Alors attends. Attends. Vous avez perdu contre ça? Mais non, vous avez gagné. Ok, là on est sur du bronze, je pense. Oh, qu'est-ce que je suis en train de voir? Et en plus, ça donne le red buff! Vous avez pas perdu contre ça? Mec, en fait, ça me frustre parce que j'imagine Lee Sin. T'imagines, t'es Lee Sin. Elle te vote le red buff, elle meurt. 8 secondes. Mais mec, je suis Lee Sin, j'explose mon écran, je pense. Oh putain. Il est niveau 1, il est niveau 3. Alors, je suis désolé, Shaco, mais ce genre de game, normalement, elle dure 10 minutes. Mais comment vous avez fait pour perdre? Toutes les lanes gagnent, le Garen, il a 2 CS. Contre 16. Comment vous avez fait pour perdre? Je suis désolé, les gars. Là, alors, ouais, attends. Je pré-shot, on est à 3 minutes, désolé, j'ai grillé le timing. Bronze 3, bronze 4, Iron 1. En fait, comparé à la game d'avant où c'était du bronze 2, là pour moi c'est du Iron. Est-ce qu'il y a vraiment des gens en Iron? Oui. Je dirais Iron 2. Ouais, Iron 2, mais pourtant les mécaniques sont pas dégueulasses en fait. C'est peut-être du bronze. Moi je pense que c'est bronze 4. Bronze 4. Je dis bronze 4. Maintenant, je suis désolé, mais je dois voir la game. Report Toxic Vein et Int aussi, merci. Putain, alors qu'elle était en 3-0 en lane. Non, c'est du bronze. Bronze 4. Allez, bronze 4. Non, normalement, c'est Iron 2, je dirais, mais bronze 4. Mais ça jouait quand même 100 fois moins bien que les bronzes qu'on vient de voir juste avant, en fait. Y a aucune logique. Mais putain, c'est quoi cette merde? Mais je vais dire au pif, en fait. Le prochain gameplay que je vois, mais je dis diamant 1, en fait. 79, Qiyana. Ranked solo, go! Ok, là, au niveau des runes, ça m'a l'air correct. Les starters sont en effet corrects. Les midlaners qui s'en battent les couilles des invades, comme d'habitude, hein, c'est des gros crevards. Voilà, fais pas le fou avec moi, je vais te goumer, sale fou. Donc ça, c'est le mec de mon Discord hein, qui est... D'accord. Et il y a un mec qui le répond en allemand. Très bien. Nique ta mère. Ok, non, c'est... Ok, d'accord. Ça allait très vite. On a fait un petit fake LV2 allemand.
Waouh, mais vous êtes des malades en fait. Alors est-ce que il sait juste écrire nique ta mère, viens en face. Mais vous êtes des gros malades en EUS. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, les gars, ouais, stop. Pause. Il faut que je traduise qu'est-ce que dit le mec en allemand. Est-ce que le mec en allemand lui dit bienvenue dans la ligue d'invocateurs, passez une agréable game, que la chance soit avec vous. Pas sûr. Non, on est sur de l'allemand du coup, hein. Ich bin hier mit Nick. In ben hier. Hier, oui. Il mélange un petit peu d'allemand, yes. Hier, mit Nick. Mit Nick. Ça veut dire quoi? Putain, l'enculé, ça veut rien dire. Je suis ici avec Nick. Et il lâche, hein. Nick ta mère derrière. Donc là, il vient de dire, je suis ici avec Nick. Nick ta mère. Broedger. C'est comme ça. Broedger. Gagnette vert. Gagnette vert. Je n'arrive pas plus loin. Je n'arrive pas plus loin. Je suis avec Nick. Nick ta mère. Frère, je n'arrive pas plus loin. Frère, je n'arrive pas plus loin. Non, ce mec, c'est une musique de rap. Il est en train de balancer des lyrics. Shut up, Ahmed Bongo. Mais vous êtes pas ban du jeu, en fait? Comment vous faites pour ne pas être ban du jeu? Ok, je vais regarder le niveau 2, là. C'est jusqu'à 3 minutes, finalement. La transi level 2. Pourquoi il y en a deux qui sont level 1 et ils ont raté d'XP? Ça veut dire qu'il y a de la merde, quelque part. Hein. Bah, vas-y, colle-toi au mur. Non, mais là on est à 3 minutes, mais j'ai aucune idée, en fait. Ok, encore 30 secondes. Bonus 30 secondes. Je peux rien analyser. Ok, le chien, il a fait des grosses erreurs monumentales en termes de positionnement. Ah non, c'est abusé, là. Bah vas-y, retourne-y, il a juste son passif, hein. Ah, t'es juste mort, hein. T'inquiète pas. Ok, du coup... Putain, mais ça joue... Oh là là, non, elle a raté son... Attends, est-ce qu'elle a vraiment raté son W sur un mec qui était stun? Là, tu... Plus dans le mur, les grenades, hein. Attends, elle vient de se prendre un trade de ouf. Oh, le bisou. Mais flash ignite? Mais t'as juste à ignite, en fait. Si c'est plus que silver... Je stoppe la vidéo. Si c'est Gold 4, je stoppe la vidéo. Là, on est d'accord tous. C'est Bronze 2. Max. Vas-y, je regarde juste cette action et je vous dis. Voilà, Kiana qui s'avance comme si elle avait pas d'ignite en face. Non, je dis bronze, bronze 2. Non, mais non, putain. Ah, si, bronze 2, allez. Si c'est gold, j'arrête la vidéo, hein. Mais elle s'arrête instant. Bronze 2, allez. Ouh, putain, mec. Attends, dernière saison gold 4. C'est bizarre, ça insulte plus à la fin. Y'a plus de je vais te prendre. En 6-13, tu vois, tu peux plus dire je vais te prendre. Y'a des limites. Ah, c'est dommage, hein. Après, Kiana contre Rammus et Darius, c'est pas ouf. Harry, en plus, elle peut t'as assez bien pré-shot avec le E. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Mais en tout cas, merci pour la game. Elle était vraiment passionnante.